Oui, alors le groupe NTN, c'est un groupe international, c'est un leader mondial du roulement. Tout ce qui va, ces pièces, ces composants mécaniques qui accompagnent en fait tous les mouvements en rotation qu'on va retrouver dans l'automobile, les différentes industries, l'aéronautique et de plus en plus le vélo. Alors Cara, c'est pour nous un cluster qui est très important. C'est à travers Cara qu'on va pouvoir trouver des idées nouvelles, des partenaires, pour pouvoir tester un certain nombre de nos solutions et innovations, puisque notre offre en fait est en train d'augmenter en profondeur. On part du roulement, comme je le disais tout à l'heure, et de plus en plus, on se développe sur le capteur, la data, le data management, du coup le software, la maintenance prédictive, etc. Et puis, l'autre aspect, c'est aussi, si on pense mobilité, de l'automobile, l'aéronautique, le ferroviaire, ben, de plus en plus, il y a des nouvelles formes de mobilité. Le vélo en est un exemple extrêmement intéressant. Cara, en fait, nous offre la possibilité de rencontrer des acteurs, entreprises, laboratoires de ces écosystèmes, permettent de développer des projets, de rentrer dans des nouveaux marchés, identifier aussi, il faut le dire, des sources de financement, des aspects à la fois réseau, projet, financement, et puis peut-être aussi communication, puisque Cara, c'est aussi un moyen pour nous de faire connaître assez facilement et par des biais un petit peu différents nos propositions innovantes. On était partenaire des Cara Tech Day cette année avec, on peut déjà le dire, plusieurs succès intéressants. Alors c'est la première manifestation de la filière vélo. C'est pour nous important d'être partenaire de cette première. C'est important de soutenir la démarche régionale qui permet de commencer l'identification et la structuration de cette filière. Et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, si on pense mobilité, le vélo, le deux roues, on parle vélo mais on pourrait aller aussi jusque le scooter électrique, etc. Ces nouvelles formes de mobilité représentent pour nous des marchés possiblement très intéressant, aussi bien techniquement qu'en termes financiers et positionnement du groupe.